recevoir un mail quand on se lève en disant que son train est avancé d'une heure. Qu'est-ce qui vous prend? Monsieur, si on le mettait à cette heure-là, bah non. Il est prévu à une heure, mais à cette heure-là, du coup, je suis en galère. Je speed, je cours. Voilà la gare. Parce que bah forcément, moi, je me suis levé pour mon heure de train normal. J'en ai marre de ma vie. Je savais que j'allais être en retard. Mais alors ça, je m'attendais pas. Bon allez, vlog pour Paris. C'est parti. J'ai mon billet. Ça y est, on est à Paris. Voilà, attendez, que je vous pose par là. Voilà, oui, je suis à Paris pour une semaine. Vous avez d'ailleurs posé la question sur Instagram, qui je vais rencontrer parmi Minimi Paris, Squeezie, Padge ou Badzer. Et je vous ai bien trollé, je vais tous les rencontrer. Allez, c'est parti, allez, je vous emmène. Bah c'est plutôt pas mal. Moi je suis content. On va faire maintenant des trucs un petit peu plus en détail. Avec des petites éclaboussures. Vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que là, quand je parle, on comprend rien. Jour 1 terminé de peinture, je vous montre pas comme ça, vous voyez un petit teaser en mode flou, mais vous verrez comme c'est fini. Yeah, yeah. Il fait pas beau et il pleut, mais je suis quand même heureux d'être à Paris. Qui dit pluie et mauvais temps, ça rime pas avec peinture en extérieur. Du coup, bah la peinture est un petit peu retardée, mais cela n'empêche pas que je vais quand même rencontrer des gens. Intéressant. Allez, on y va? Venez avec moi. Ça, là, ça, bah, là. Bonjour déjà. Bonjour Bruno Mont. J'avais dit sur Instagram que je pouvais rencontrer Padge. Tu l'avais dit? Oui. Ah bon? Je t'avais même tagué dessus. C'est vrai. Non, je déconne. c'est vrai, il l'a dit. Et bah du coup, chose faite. Voilà. Voilà. Et on est super bien. Et d'ailleurs, qui es-tu? Je suis... Il me semble que j'ai déjà entendu ta voix quelque part. Oh, tu sais, je dirais, on m'a posé la question aujourd'hui, j'ai répondu une connerie. Je suis l'homme qui parle à l'oreille de vos cheveux. Mais évidemment, vous vous souvenez de la voix d'aubergiste. Oh, bienvenue à l'auberge. Approchez-vous près du foyer. Encore plus en match avec Paris en sport. Des trésors de Kellogg, c'est les qui fait. Mais non, t'es sérieux, c'est toi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Tout petit et aussi frais. Frais et aussi fort. Pour les joueurs de League of Legends, Kled qui dit tout le temps Scar, mais qu'est-ce que tu fais? Avec cette tronche-là en plus. Hein. Merci. Et je fais même la voix de Bruno. Ouais, c'est malin, je suis Bruno Gaffard et puis je suis super intelligent. Et c'est vous qui comptez, Bruno Gaffard. Il y a des travaux. Bon, et bah bienvenue dans le jour 2 de la peinture. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubb, that's a fact, Joe. And if you think I'm... Bonjour et bienvenue dans le jour 3 de la peinture. Alors oui, il pleuvait un peu beaucoup hier, donc j'ai pas pu trop peindre. C'est parti pour le jour 3. You know that I'll be alone now. Yeah. You know. I said be alone now. Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy. Ouais.
Et ben alors, bande de petits margoulins, bah vous croyez que j'allais vous montrer tout le résultat maintenant? Et non, dis donc, va falloir attendre la fin de la vidéo pour voir ça. Mais en attendant, j'ai plein d'autres choses super cool à vous montrer. Bisous. Alors, la peinture chez Squeezie est terminée, mais le vlog de Paris n'est pas terminé. On va aller voir maintenant une créatrice de mode. Casser la gueule. Voilà, je suis arrivé chez Minimi Paris. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une test. Et en plus, on l'a fait gagner sur Instagram. Il y en a un qui va avoir de la chance, hein, ou une. En fait, je sais pas quand est-ce que sort la vidéo. Okay. Du coup, ça se trouve, le concours il est déjà parfait. Ah. Mais au cas où, bah vous allez sur Instagram et puis. Elle va être ouf. Sur le thème de Bob l'éponge. Ouf, ouf, le petit chat! Et voilà, alors pendant que l'atelier couture est en route, oui parce que ce n'est pas moi qui couds, hein, moi j'ai jamais fait de couture de ma vie, moi je vais faire la peinture de la veste. Moi je vais rendre visite à quelques autres petits personnages, peut-être même que vous les connaissez d'ailleurs. Présente-toi en un mot. Vous savez quoi? Je l'ai jamais dit, mais Bruno, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite de toute ma vie. Plaisir. Bonjour, moi c'est Fenou. Oh, il y a Lucas, il y a quoi? Eh hey, Lucas, il y a quoi? Présente-toi en un mot. Fantastique. Moi j'aurais dit Lucastique. Oh, je vous déclare ma flamme. Il est super grand. Présente-toi en un mot. Heureux. Et sapeur aussi, non? Sapeur aussi, bien sûr. Sapeur pour qui? Tu connais. Et tu peux quoi faire de questions, ouais. Bonjour jeune homme. Qui es-tu? Bonjour messieurs dames, Julien, Gérard artiste, le dessinateur, yes. Au mille Posca. T'écris-toi en trois mots. Passionné, créatif, déterminé. Pourquoi t'es à Paris toi là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis un petit breton, 100% pur beurre. Donc cette semaine je suis venu à Paris pour rencontrer Inoxtag. On a quand même customisé une Porsche. Mais on n'a pas juste customisé une Porsche, on l'a customisé comme si c'était une chaussure, la TN de chez Nike. On va faire un truc ensemble un jour. Je crois qu'ils sont pas prêts, ça serait vraiment beaucoup trop lourd. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire ensemble? Une sextape? Ça serait haut en couleur. Fallait pas le dire. Alors là, il y a Denizy, une youtubeuse québécoise, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, qui est venue au studio de Minimi Paris. Et moi en fait, Denizy, je la connais parce que j'ai déjà travaillé avec elle très très récemment. Malheureusement, je n'ai pas le droit de vous le dire encore. Bref, du coup, ça veut dire que oui, je la connais déjà, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Je me suis caché un petit peu dans le studio pour qu'on lui fasse la surprise et que j'arrive comme ça genre « Coucou !» Ah, bref, ça va être cool. Ça va? Ça va toi? C'est top, c'est parfait! Salut, je suis Denizy et moi je fais des expériences de ouf sur YouTube, des trucs artistiques, voilà, c'est pas mes vrais tatouages, pas ma vraie gueule les gars là, pas du tout. Et voilà la veste, elle est terminée, elle est belle. Bon, on voit pas grand chose vu que je suis dans la baignoire. On est chez Minimi, bah on va tourner l'émission quoi, avec des invités incroyables, comme vous pouvez le voir avec la toile derrière moi là. C'est une émission spéciale Halloween. L'émission sort avant mon vlog, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous allez voir ça. Et puis y a un invité, et je vous laisse le découvrir maintenant. Jérém Star, créateur de contenu, bientôt remboursé par la sécu, ordonnance de bonne humeur. Bonjour. T'écris-toi en trois mots. Cacophonie, épicurien, joyeux pour ne pas dire gay, sans limite. Mais Jérém, ça fait quatre mots là. C'est fou. Mais Badzer. Mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est pas moi. C'est Iti, c'est lui Badzer. Excellent, vous m'avez reconnu. Bon bah vu que tout le monde dit quatre mots, décris-toi en quatre mots. Dieu, ange, démon, paradis, hop. Excellent. Putain, ça fait 4, t'es bon. Je suis très bon, je suis très très bon. Et le mot de la fin? Encore un. Au revoir. T'as été trop rapide.
Mazer ? Oui. Tu vois ceci ? Non. C'est un ballon d'hélium ? Non, c'est... Mange le ballon. Tu prends une bonne bouffée et après tu parles et tu nous racontes ta meilleure blague. Putain, mais faut que je réfléchisse à ma blague du coup d'ailleurs. Est-ce que ça marche ? Oh la vache ! Oh, c'est incroyable ! Ah ! J'ai pas de barbe et j'ai une petite voix, mais promis, je suis viril. Je fais des pompes quand j'entre chez moi. Maman, si tu regardes ça, me juge pas trop fort. Très bien, vous aviez assez attendu. À présent, il est temps de découvrir le résultat de la peinture chez Squeezie. C'est parti ! There was snooze on me. I was dreaming but with food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Merci beaucoup d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets dans la description l'Instagram de tous les Zoulous qui auront fait apparition. Alors je suis désolé, je n'ai pas pu filmer la réaction de Squeezie devant la peinture ou devant le custom de son CD. Le voici, le custom. Mais j'ai quand même pu le faire dédicacer. Et ce CD n'est pas pour moi, messieurs dames. Il est pour vous. Et oui, parce que justement, il est à gagner en ce moment sur mon Instagram via ce post. Et puis même si je n'ai pas filmé sa réaction, sachez que bah ça lui a plu, hein. Il a kiffé. Et il en a même fait une story d'ailleurs. Bref, voici dans le post, vous trouverez toutes les informations dans la description pour pouvoir participer et tenter de gagner le Oxys que j'ai customisé dans une précédente vidéo que je vous mets également ici. Je sais pas de quel côté exactement elle est. Et bien alors, bonne chance à tous. Merci à toute l'équipe de Squeezie pour l'accueil, c'était absolument génial, vous êtes au top. Merci à Minimi aussi pour son accueil, hein, tu es au top toi aussi. En attendant, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est de souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement à la chaîne. Bisous.